Et moi, j'aime Tissart, on va se faire le débrief de ce OGC Nice Toulouse. Oui, tu peux, Théma, ma dégaine de merde. En même temps, j'ai froid et j'ai envie de te dire, c'est ma chaîne, je fais un peu ce que je veux, je m'habille un petit peu comme je veux. On n'oublie pas le partenariat, les fêtes de Noël approchent. Oui, c'est vrai, passons un peu loin encore, mais tu peux profiter de 10% avec mon code promo TonySadis, toujours sur le site alourashop.com, sur la totalité de tout ce qu'il propose sur son site. C'est maintenant ou jamais. Tu feras plaisir à tes proches pour Noël et en plus c'est des cadeaux 100% Nissart. Et on rentre directement dans ce débrief du match. Match très très compliqué, notamment un match à deux mi-temps. Première mi-temps on n'a rien glandé. Et une deuxième mi-temps où on a proposé un petit peu plus. Mais on s'est fait un petit peu peur en fin de match. Pour moi, on n'est clairement pas rentré dans le match. On n'était pas dedans et ça s'est confirmé dès le début. Hein, on prend un but par Toulouse qui a été refusé par l'arbitre pour une faute qui aurait été commise sur Sofiane Diop. Alors j'ai bien regardé, parce que là je sens que ça va tomber, j'ai bien regardé les ralentis plusieurs fois. Alors tu peux l'appeler, cette faute, tu peux l'appeler scandaleuse, sévère, inexistante, tu peux la qualifier comme tu veux. C'est effectivement, pour moi, il n'y a pas réellement faute sur Sofiane Diop. On se le dise clairement. Par contre, on va prendre. Parce que pour toutes les fois où nous, on a eu des erreurs d'arbitrage de merde qui nous ont valu des points, qui nous ont valu des buts, et où on s'est fait niquer, eh ben pour une fois qu'on a de la chatte, moi j'ai envie de te dire, c'est très sévère, il n'y a pas faute, mais moi je prends que ça te plaise ou non. Donc, mais clairement, oui, effectivement, la faute n'y est pas. On devrait se faire mener au score pour la première fois. On détient le record. Hein. 13 matchs sans être mené. On a fait mieux que Bordeaux, qui était à 12. Alors, j'ai envie de te dire, ça ne va rien nous apporter. Hein, mais bon, il y en a qui sont contents et qui se contentent de ça. Tant mieux pour eux. Un jeu très timide se fournit par l'OGC Nice, manque de verticalité, on a du mal à se projeter efficacement vers l'avant en cassant les lignes, j'ai envie de te dire. On a du mal à récupérer le ballon assez haut et on recule trop rapidement pour être dangereux. Beaucoup de déchets techniques, de balles rendues rapidement à l'adversaire. Et moi, j'ai envie de te dire, ce match, au-delà de faire des records, de faire un nouveau clean sheet, de ne pas être mené au score, de ne pas prendre de défaite, au-delà de ça, il y a un autre argument pour moi dans ce match qui est bien plus important que ça, c'est que si tu gagnes, tu restes aux fesses du PSG à un point, mais surtout tu mets Monaco à 5 points derrière. Et je ne te parle pas des autres, hein, Reims, Lille, Marseille, je crois que tu les mets à 15 points. Bon, enfin bref, tu distances tout le monde parce que derrière nous, ils sont pas mauvais. Mais ils sont pas, c'est pas des foudres de guerre non plus, ils prennent pas énormément de points et on peut les distancer et tout. Toutes les distances qu'on peut mettre à tous ces clubs derrière, si on peut les mettre maintenant, c'est ce qu'on n'aura pas à faire plus tard. Et on aura le droit un petit peu à des faux pas. Donc moi, c'est ça qui me dérange le plus au-delà des records. Moi, c'est de pouvoir se mettre à l'abri et de s'installer un petit peu. Si demain, on fait un petit match nul, le week-end prochain face à Nantes, par exemple, on aura pris un petit peu d'avance sur Monaco et on reste un petit peu proche du PSG. Les seuls à apporter un petit peu de vitesse réellement, à casser les lignes dans cette première mi-temps qui a été une purge totale. Hein. Mais en début, je te parle en début de première mi-temps, parce qu'après, vraiment le milieu a été inexistant pour moi, c'est Thuram et Jordan Lotomba. C'est les seuls qui arrivent à mettre un peu de vitesse, à essayer d'apporter un petit peu du surnombre. Mais par contre, derrière, on n'alimente pas nos attaquants. Hein. Ça a été le gros problème de cette première mi-temps. J'ai l'impression que l'on joue différemment, qu'on a du mal à exprimer notre jeu. L'absence de Boudaoui, Youssouf et Jean-Claire Todibo se fait ressentir. Et à part plus ou moins se contempler, se craindre, on ne propose pas grand-chose dans cette première mi-temps. Ensuite, au-delà de tous ces manques, les gars, il y a évidemment manque de vitesse, manque de percussion, manque de décalage, manque de déséquilibre. Au bout de 30 minutes, t'as toujours pas fait une frappe, mec. C'est-à-dire que pendant 30 minutes, tu t'es littéralement branlé les couilles. Mais littéralement, je veux dire, aucune frappe. On doit attendre la 37e minute pour voir une première frappe qui n'est pas cadrée. Et la 38e minute pour voir le premier corner frappé par l'OGC Nice. Après, derrière, sans être flamboyant,
Notez quand même que Toulouse a été un petit peu plus dangereux, mais sans être flamboyant, parce qu'elles n'ont pas non plus fait un match de fou en première mi-temps, même s'ils ont été meilleurs que nous très légèrement. Et aujourd'hui, on peut le dire, très belle purge à l'Alliance Riviera. Et j'ai envie de te dire aussi, j'ai l'impression que le fantôme de Patrick Vieira et de Christophe Galtier flotte encore et toujours à l'Alliance Riviera, parce que c'est vraiment ce jeu que j'ai eu l'impression de voir, en tout cas en première mi-temps. Ensuite, à noter, Boga, Mofi, Laborde, ils sont où dans cette première mi-temps? Qu'est-ce qui branle? Qu'est-ce qui branle? C'est nos trois attaquants. Ils touchent très peu de ballons. Ils font pas de différence. Il n'y a aucune différence qui est créée dans cette première mi-temps. Ils sont très peu utilisés aussi. C'est ça le problème, c'est qu'ils sont très peu utilisés et un manque cruel d'efficacité offensive quand ils ont le ballon et quand ils le touchent. Au final, on rentre au vestiaire avec pas grand-chose à se mettre sous la dent. Évidemment, les commentateurs de Amazon Prime se sont régalés, hein, évidemment, en disant oui, mais bon, de toute façon, Nice marque pas plus d'un but par match. 1-0, c'est le tarif, le minimum syndical. Ils savent dire que ça en fait, hein. Ils savent mettre que ça en avant. C'est les points négatifs de l'OGC Nice parce que ça dérange. Ça dérange qu'on soit deuxième, ça dérange qu'on passe une très bonne saison, enfin un très bon début de saison qui on arrive bientôt à la mi hein, d'ailleurs, hein. Et que. Qu'on va être très certainement dans les trois premiers à la mi-saison. Deuxième mi-temps, enfin ça bouge, enfin on propose du jeu, enfin on crée quelque chose. On empêche les Toulousains de se placer sur le terrain, d'installer ce pressing qu'ils ont réussi à installer en première mi-temps sur le porteur du ballon. On les empêche en fait de laisser un peu faire ce qu'ils veulent parce qu'on les a un peu laissés faire en première mi-temps. On les a un petit peu laissés jouer, essayer de proposer quelque chose sans que nous on fasse notre boulot derrière. Enfin, on apporte de la vitesse, on impose un pressing plus important et surtout, on joue en une touche de balle avec des premières intentions. Et ça fait mouche à la 54e minute avec Terem Mofi qui ouvre le score sur une superbe passe dans l'axe de Morgan Sanson. 1-0 pour l'OGC Nice. On se dit, enfin, on va peut-être sortir un petit peu la tête de l'eau et on va essayer de créer quelque chose. On a quand même fait trois fois plus en 15 minutes de deuxième mi-temps que dans toute la première période de ce jeu. On reste solide en défense avec beaucoup de présence, du surnombre. On récupère le ballon un peu plus haut et on emmène le ballon plus rapidement dans l'autre camp avec un milieu qui alimente enfin les attaquants. On trouve les espaces, on se crée des occasions et c'est tout ce qui manquait. En première mi-temps, Nice a eu du mal à s'imposer dans ce match. Et on sait que Toulouse, c'est toujours une équipe qui est difficile à gérer, à concentrer sur un minimum de temps et dans un espace assez restreint. On savait, même si au classement, ils ont du mal, même s'ils ont du mal à gagner leur match, à marquer des buts, c'était une équipe qui allait nous faire mal. Et on l'a vu tout au long de ce match parce que clairement, tu regardes, sur la deuxième mi-temps, on a vachement géré, on a enfin pu s'exprimer et exposer notre jeu. Mais Toulouse a su, en fin de match, nous faire peur jusqu'au bout. Et on n'était pas à l'abri. Le problème de jouer une mi-temps sur deux, encore une fois, comme on a pu faire avec Patrick Vieira ou qu'on a pu faire avec Christophe Galtier sur les saisons précédentes, c'est que jouer une mi-temps sur deux, ça te coûte des matchs. Ça te coûte des matchs, ça te coûte des points et ça te coûte des buts. Parce que tous les efforts que tu ne fais pas sur une mi-temps, ben ça peut être négatif. Et je te dis, tu peux perdre un match sur une erreur défensive bête, sur une sale relance. Et ce match, moi je te le dis, jusqu'au but de Terem Ofi et même après le but de Terem Ofi, j'étais pas serein. Je me suis dit, c'est peut-être la première défaite qu'on va suivre. Enfin, la première défaite qu'on va avoir. Alors, être mené, le record d'être mené, je m'en tartine le fion. Le record de
Jusqu'à combien de temps on va être invaincu? Si on est invaincu jusqu'à la mi-saison, je peux te le dire, je m'en tartine le fion. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui me fait chier, en fait, c'est de perdre bêtement parce qu'on n'a pas su faire pendant une mi-temps ce qu'on aurait dû faire pendant tout un match. Voilà. Moi, c'est ça qui me dérange parce que les records, ça t'apporte pas des titres. Les records, ça t'apporte pas des buts. Et les records, ça ne te fait pas gagner des matchs. C'est juste. Ça alimente les journalistes, ça alimente les commentateurs qui savent parler que de ça et que quand ils parlent de Nice, ils ne parlent que de ça. Écoute, tous les matchs de Nice, ça parle de record, ça parle de stats et ça ne parle pas de la tactique Farioli, des joueurs qui émergent, des joueurs qui explosent, des joueurs qui étaient mauvais la saison dernière et qui arrivent à proposer quelque chose de différent cette saison. Ça, on n'en parle pas. Et moi, tout ça, je m'en tartine le fion. Moi, ce que je veux, c'est gagner. Et je m'en fous des records. Donc voilà, les gars, cette saison, encore une fois, l'OGC Nice continue d'avancer. L'OGC Nice fait des records, j'ai envie de te dire. Bon, hein. Toujours invaincu. On met le pressing au PSG. On éloigne Monaco de 5 points. On est là, on est présent. Est-ce qu'on pourrait arriver à faire ça jusqu'à la mi-saison, sachant que. Déjà, toutes les grosses équipes, on les a jouées. Toutes les grosses équipes, on les a jouées. On a joué Paris, on a joué Rennes, on a joué Lyon, on a joué Marseille, on a joué Monaco, on a joué Lille. Toutes les grosses équipes. Maintenant, c'est Nice face à ses propres démons. C'est Nice qui va jouer des équipes plus modestes, avec un petit peu moins de moyens et avec beaucoup moins de coffres. Est-ce qu'ils vont être capables de faire ce qu'ils font jusqu'à présent et notamment face aux grosses équipes. Sur ce, les gars, on se retrouve très rapidement. N'oubliez pas le calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent de Tonissa. Oui. Oui, je ne vous en ai pas parlé en début de vidéo, mais normalement, si vous me suivez sur Insta, vous êtes au courant. Ça arrive très prochainement. Hein. Il y a déjà quelques vidéos qui sont déjà prêtes, qui vont sortir 24 jours, 24 vidéos, les gars. Ouais, je sais. Je pense normalement, à partir du 15e jour, déjà, vous allez en avoir marre. Surtout que les montages, ils sont traînés, ils sont claqués au sous-sol. Hein. Mais bon, je fais. Sur ce, ciao viva, la baïetta et Issa Nissa.